un joyau de la mer, est une structure emblématique chargée d'histoire, construite au XVIIe siècle sous le règne des beys de Tunis. Ce monument servait initialement de poste de surveillance pour protéger la côte tunisienne des attaques étrangères et des pirates barbaresques qui infestaient la région méditerranéenne. Malheureusement, malgré son importance historique et culturelle, le monument historique Qubbat l-Ahwa, à la Marsa, Tunisie, souffre actuellement d'un état d'abandon. Les années de négligence et de manque d'entretien ont laissé des traces visibles sur la structure, avec des signes évidents de dégradation tels que des fissures, des effondrements partiels et une végétation envahissante. L'absence de mesures de préservation adéquates et de financement pour sa restauration a contribué à aggraver la détérioration de ce monument historique, mettant en péril son intégrité et sa valeur pour les générations futures. Les habitants de la Marsa expriment un fort désir de voir le monument historique Qubbat l-Ahwa restauré et ravivé. Nombreux sont ceux qui soutiennent l'idée d'utiliser ce site emblématique pour des projets rentables, tels que l'hôtellerie ou la restauration, comme cela a été fait pour d'autres sites historiques à proximité, comme la plage de la Boulette. Ils voient en cela une opportunité de revitaliser le monument tout en préservant son histoire et son patrimoine pour les générations futures. Cette vision suscite un enthousiasme dans la communauté locale, qui espère que de telles initiatives pourront redonner vie à ce monument autrefois vibrant et lui rendre sa place centrale dans la ville de la Marsa. يا هل ترى هل يعاد أنسي يا دهر في قبة الهوى حين اشتفت بالمزار نفسي من بعد ما شفها الهوى. Notre projet vise à restaurer le monument historique قبة الهوى pour lui redonner toute son âme et la valeur qu'il mérite. On envisage de le transformer en un pôle culturel et touristique rentable, en insufflant un programme diversifié qui le rendra attrayant pour les visiteurs. Le rez-de-chaussée du monument abritera un musée ouvert sur une promenade extérieure donnant sur la mer. Cette promenade sera divisée en unités appelées Qubba, où les visiteurs pourront découvrir des activités liées à la culture locale et profiter des activités divertissantes. Le premier et le deuxième étage seront dédiés à la restauration.
offrant une vue imprenable sur la mer et créant ainsi une expérience unique pour les convives. Thank you.